Madame de Staël, par Michel Vinocq. Chapitre 3 de la littérature. Nous voici en 1800. Madame de Staël a 34 ans. Elle vient de se rallier provisoirement à la République consulaire de Bonaparte. Cette année-là, elle publie un ouvrage qu'elle a entrepris en 1798 et qui a pour titre « De la littérature ». C'est la première grande publication de Germaine de Staël puisque ses ouvrages politiques restent largement inédits. Ce livre est un essai de théorie littéraire qui n'a guère de précédent. Ce mot de littérature, il faut le prendre au sens large. Sous cette dénomination, elle entend la poésie, l'éloquence, le théâtre, l'histoire, la philosophie. Quel est son projet ? Elle veut montrer les rapports qui existent entre la littérature et les institutions sociales de chaque siècle et de chaque pays. Et elle se prévaut de l'originalité de son travail qui, nous dit-elle, n'a encore jamais été fait avant ce livre. À mes côtés aujourd'hui, pour parler de cet ouvrage et des idées de Madame de Staël sur le sujet, se trouve Florence Lauterie, qui est professeure de littérature française du XVIIIe siècle à l'université de Paris Diderot. Longtemps secrétaire de la Société des études staéliennes, elle en a été la présidente jusqu'en 2014. Elle a notamment publié « Progrès et perfectibilité », un dilemme des Lumières et le genre des Lumières, femmes et philosophes au XVIIIe siècle, dont plusieurs chapitres sont consacrés à l'œuvre de Madame de Staël. À cette excellente spécialiste, je poserai une première question. L'entreprise de Madame de Staël n'a pas été de faire une histoire universelle de la littérature. Elle semble suivre la méthode de Montesquieu qui, à son époque, avait entrepris de comprendre l'esprit des lois. N'y a-t-il pas chez elle un même esprit de système, un goût prononcé de la théorie ? Alors, c'est une vaste question à laquelle je vais répondre en essayant de ne pas être trop longue. Dans un livre récent qui s'appelle « La solitude de Montesquieu », Jean Golzinghe avait émis l'hypothèse que Montesquieu n'avait pas vraiment de disciple. Avec une exception de taille, la Germaine de Staël de la littérature, dont il écrivait que c'était le seul grand livre français directement inspiré dans son titre et sa démarche par l'esprit des lois. Alors il faut peut-être rappeler tout de suite que le titre complet du livre, c'est bien « De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales ». Assurément, le livre est dans cette filiation de Montesquieu, puisque son objet, c'est de comprendre l'ensemble du fait littéraire depuis les variétés de ces inscriptions culturelles dans le temps et dans l'espace européen. Et ce, en le soumettant à la discipline explicative qui, en effet, avait présidé à la compréhension des lois chez Montesquieu. À cet égard, il suffirait presque de la citer au début du discours préliminaire, puisqu'elle donne l'objet de sa méthode. Je me suis proposé d'examiner quelle est l'influence de la religion, des mœurs et des lois sur la littérature et quelle est l'influence de la littérature sur la religion, les mœurs et les lois. Donc on voit là les trois plans des institutions sociales, les mœurs, la religion, le système politique. Il s'agit alors d'analyser, je la cite toujours, les causes morales et politiques qui modifient l'esprit de la littérature. On voit qu'elle emprunte déjà des concepts de l'esprit des lois, en particulier la notion de rapport et celle d'esprit. Ça suppose bien sûr d'abord une définition de la littérature, vous l'avez rappelé, c'est une définition large qui englobe des choses qu'on rangerait peut-être aujourd'hui sous le titre de sciences humaines et sociales. Une définition qui en soi n'est pas originale, parce qu'elle vient déjà des Lumières, mais dont le traitement systématique, en effet, lui, est sans précédent. Alors il y a deux dimensions, je crois, dans ce qu'elle emprunte à Montesquieu. Il y a une dimension proprement explicative, et ça, c'est vraiment de l'esprit des lois de la littérature. Et puis, il y a une dimension dans l'ordre de la valeur qui l'éloigne de Montesquieu. Sur la première dimension, ça suppose d'abord de considérer les caractères de la littérature comme
variable dans le temps et dans l'espace, et de rendre raison, là je prends la formule de Montesquieu, de ces variétés. Cette position est relativiste, à l'encontre de l'hypothèse normative, qui voudrait qu'existe une littérature modèle, celle qu'on va imiter, la littérature éminente. Elle entend mettre au jour l'esprit de chaque littérature dans son contexte, dans son orbe, y compris d'ailleurs en faisant jouer la variable du climat, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. C'est ainsi qu'elle entend subsumer ces variétés sous la catégorie d'un esprit qui naîtrait de la convergence particulière dans un temps et dans un espace des lois, des mœurs, du système politique et de la situation des écrivains. Donc ce n'est pas une poétique. Ça, c'est très important de le dire et c'est ce qu'elle commence d'ailleurs par dire tout de suite. Elle s'appuie pour ça sur une méthode relationnelle, une méthode des mises en rapport, directement empruntée à son maître Montesquieu, et elle entend bien en tirer des lois-rapports. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est une vraie théorie. Selon le moment, selon l'espace, la littérature manifeste cet esprit. Alors, je peux donner tout de suite deux ou trois exemples pour que ce soit un petit peu plus clair pour les auditeurs. La littérature républicaine de Rome, par exemple, se caractérise par sa dignité et sa gravité stoïcienne. La littérature anglaise est dominée par la mélancolie. On aura l'occasion d'y revenir. Ce qui implique aussi un style. Mais le style, chez Germaine de Staël, ce n'est pas juste une forme, c'est une façon de penser. Et c'est une façon d'exprimer dans la pensée une relation à soi-même et aux autres dans la transmission, dans la relation littéraire. Donc c'est aussi politique. Dans ce cadre, intervient aussi la question axiologique, la valeur. Parce que, après tout, c'est aussi une façon de poser la question, quelles sont les institutions sociales qui permettraient le mieux l'exercice de la pensée dans la littérature ? Ou le moins bien ? Donc il va y avoir aussi une hiérarchie des espaces et des temps. Vous pouvez définir les institutions sociales ? Alors, qu'est-ce qu'elle entend par là ? Ce qu'elle entend par les institutions sociales, c'est la nature de la religion dominante, le gouvernement, le mode de gouvernement, mais aussi les relations sociales dans ce qu'elle fabrique à la fois de façon de penser, mais aussi de ce qu'elle appelle une moralité. Alors, ce qu'elle appelle les mœurs, c'est à la fois la culture, mais c'est aussi la morale des individus pour autant qu'elle aide à fonder la communauté. Partout où il y a morale, où il y a une religion indépendante, où il y a un gouvernement libre, là, il peut y avoir une littérature digne de ce nom. Et c'est là qu'est la valeur. C'est ce qu'elle appellera la littérature républicaine dans ce livre. Alors, pour être une grande littérature, il faut la liberté, comme je viens de le dire. Il faut l'émulation et il faut un niveau moral. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on ne peut pas comprendre de la littérature, et ça l'éloigne de Montesquieu, sans les circonstances, c'est-à-dire le fait que ça s'écrit pour l'après-révolution et après la traversée de la Révolution. Et chez elle, il se trouve qu'il y a eu un moment démocratique, qu'elle appelle démagogique, le moment de la terreur, où aucune de ces conditions, ni la liberté, ni la moralité, ni l'émulation n'existait plus. Tant de dégradation qu'il faut essayer de remonter par une visée systématique qui va chercher dans le passé les moyens de penser l'avenir de la littérature. Alors c'est tout un système, bien sûr, je ne sais pas si on a le temps de le développer beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dimension critique et politique immédiate de cet ouvrage et qui n'a trompé personne. Et en soi-même, c'est un ouvrage appartenant à la littérature républicaine qu'elle-même appelle de ses voeux, parce que c'est une prise de position, que c'est une manière d'influer sur le débat, donc d'être utile. Par là, le livre répond tout à fait aux critères qui seront pour elle ceux de la nouvelle littérature. Ce qu'il faut encore retenir quand même, c'est que chaque esprit d'une littérature est aussi relatif à l'esprit des autres. Tout est lié, comme chez Montesquieu. Il ne s'agit pas seulement de regarder l'esprit d'une littérature, mais de regarder comment chacun peut informer l'esprit de l'autre, à la fois par défaut et par excès. C'est la raison pour laquelle elle commence par les anciens, pas seulement parce qu'elle va comparer les anciens et les modernes, mais parce que les anciens, ce n'est pas une unité indifférenciée. Ça permet de créer un premier couple fonctionnel dans lequel on introduit une différence. Les Grecs du côté de la poésie, les Romains du côté de la philosophie,
par exemple. Donc ce partage-là se retrouvera ailleurs. Donc le livre ne cesse de tisser, à partir de son début, des échos de chapitre en chapitre pour manifester ses rapports et des rapports de rapports. Alors si vous voulez que nous entrions dans le concret, il y a notamment dans ce livre, dans sa théorie, une différence spatiale entre la littérature du Nord et la littérature du Midi. Alors évidemment, on pense toujours à propos de Montesquieu, est-ce une affaire de climat ou plutôt est-ce une affaire de religion ? Alors, c'est une affaire de climat au sens où le début, la généalogie de ce partage, Germaine de Staël le voit dans un chapitre absolument séminal, c'est le chapitre 8 de la première partie, sur le mélange du Nord et du Midi qui va construire la culture européenne. Dans ce mélange joue l'invasion des peuples du Nord, l'invasion des barbares. Et eux apportent quelque chose qui vient du climat, qui est ce qu'elle appelle l'esprit sombre. Les paysages, la tristesse, bref, quelque chose qui va permettre de cristalliser en mélancolie du côté des modernes. Donc ça commence par le climat, mais vous avez raison de souligner l'importance du fait religieux, parce que bien sûr, dans ce mélange, ce qui va dominer, c'est le sens de ce qu'elle appelle la méditation qui elle-même est d'essence mélancolique et qui ne peut se déployer complètement que lorsque l'esprit d'examen, que lorsque l'entrée réflexive dans les faits de la conscience, dans l'intériorité humaine seront parfaitement développées, vont pouvoir se donner. Et ça, c'est le protestantisme. Ça, c'est le protestantisme. Voilà. Alors, pour comprendre ce que les barbares viennent faire avec le protestantisme, puisque là, on a fait un petit saut quantique, ce qu'elle explique de façon absolument magistrale, c'est comment ce qui permet de joindre la férocité, l'énergie du Nord, des barbares du Nord, et l'amollissement et la corruption des hommes du Midi, c'est ce catalyseur qu'on appelle christianisme. Le christianisme qui va apporter beaucoup en matière morale, puisqu'il apprend aux hommes l'abnégation, le sens du sacrifice, et qu'il apprend aussi le sens de la finitude, lequel va se conjoindre avec le désir de l'infini et construire cette nouvelle littérature proprement mélancolique. Quels seraient les grands exemples paradigmatiques de cette différence entre le Nord et le Sud ? Est-ce que Goethe s'inscrit, par exemple, nettement dans la littérature du Nord ? Oui, Goethe s'inscrit dans la littérature du Nord. Il constitue même un des exemples clés du livre. C'est le Goethe de Werther, les souffrances du jeune Werther, qui non seulement sont le type même de la littérature mélancolique, mais sont le type de la promotion, l'inscription, l'apparition dans la littérature de la discordance de la conscience, de la difficulté à faire coïncider les aspirations profondes de l'individu avec le monde. Et ça, c'est absolument moteur dans ce qu'elle va appeler la littérature des modernes. Donc c'est vrai que Goethe, de ce point de vue-là, est un excellent exemple. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'il faut bien prendre garde au fait qu'elle distingue, parce qu'elle n'oublie jamais rien dans le système, elle distingue l'influence des grands écrivains de l'esprit de l'époque. Si Goethe est un grand écrivain, pourquoi s'inscrit-il aussi bien dans son époque ? Donc, l'objection, ça pourrait être, mais quel est le rapport entre la conformité à une époque et le génie et son originalité ? Et ce qu'elle entend montrer, c'est que un vrai génie, c'est celui qui justement va coïncider le mieux avec un moment clé, celui qui va en rassembler toutes les dynamiques, celui qui va le mieux les comprendre et finalement les exprimer. Et c'est ce qui fait l'universel de la parole littéraire. Et pour le Midi, ce serait Cervantes, ce serait... Ah, alors, pour le Midi, elle a eu plus de mal, et d'ailleurs, elle a été beaucoup discutée, on lui a cherché noise sur ce terrain. Cervantes brille par son absence. Et oui, Dante est là, mais à peine là, et pas dans cette fonction éminente, fonctionnelle pour le système, qui est celle de Goethe ou qui est celle de Rousseau pour la France. Donc, il n'y a pas vraiment de grands écrivains qui seraient ces rassembleurs. Ce sera plus tard
notamment avec Corinne, qu'elle déploiera des choses peut-être plus justes sur la littérature du Midi. Abordons, si vous le voulez, une autre question, Florence Lottery. Je cite Madame de Staël. Il est une idée première dont je ne détourne jamais mon attention, c'est la perfectibilité de l'espèce humaine. Pour elle, les beaux-arts ne sont pas perfectibles à l'infini, mais la littérature, oui. Alors, pouvez-vous nous dire ce qu'elle veut entendre par là? Qu'est-ce que c'est que cette notion de perfectibilité? Comment s'applique-t-elle à la littérature sans s'appliquer aux beaux-arts? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, je crois qu'on peut distinguer trois choses, hein, il me semble. D'abord, peut-être rappeler que la perfectibilité est une idée clé qu'elle emprunte à toute une tradition, notamment à Condorcet et partiellement à Rousseau. Il serait un peu long de développer ce qu'elle leur doit de façon précise. Ce qu'elle emprunte à Condorcet en particulier, c'est la dimension probabilitaire. C'est très important parce que la perfectibilité est animée par un principe de cumulation et d'accélération possible du progrès. Ça veut dire que, étant donné les progrès que la littérature semble avoir fait dans des périodes données et relativement au rapport qu'on a pu établir avec les institutions sociales, alors on peut imaginer des régularités similaires permettant de penser ce que seraient les progrès de la littérature compte tenu des nouvelles institutions sociales. Donc il y a toute cette dimension-là qui est proprement probabilitaire. Mais quant à ce qui relève plus précisément de votre question, et la différence entre les beaux-arts et la littérature d'idées, disons pour aller vite, d'abord ça tient au fait que la littérature ne doit pas être l'imitation des modèles anciens. Elle ne doit pas fixer des normes de goût sur des modèles passés. D'où d'ailleurs le refus de la théorie des siècles, qui vient complètement contrarier l'idée de linéarité et de cumulation de la perfectibilité. C'est comme ça qu'il y a le siècle d'Auguste et le siècle de Louis XIV qui se répondent dans le livre comme des périodes qui ne sont pas des pics de perfection, mais qui sont bien des périodes où manque quelque chose relativement à ce qu'on pourrait espérer d'un régime libre. Donc là, il y a aussi de nouveau la dimension politique qui vient rejoindre la question esthétique. Là, le livre prolonge la querelle des anciens et des modernes. Il y a un deuxième élément, c'est qu'elle distingue bien la littérature d'imagination et la philosophie. Elle leur consacre deux chapitres séparés dans la seconde partie. Et là, évidemment, pour le comprendre, il faut revenir à la distinction première des Grecs et des Latins. Les premiers sont le berceau de la poésie, les seconds sont le berceau de la philosophie, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la poésie, toutefois, dans de la littérature? Ce sera tout différent dans de l'Allemagne. C'est un art des sensations et des images qui en procèdent. En lui-même, cet art a des limites, au-delà desquelles il dégénère, soit en afféterie, recherche systématique de la belle image, en goût de briller, mais aussi qui manifeste par là un goût des formes au détriment des idées elles-mêmes. Si bien que si cette littérature reste stationnaire, c'est aussi parce qu'elle ne s'implique pas dans le goût d'influer sur les affaires humaines dans la communauté politique. En ce sens-là, en ce double sens, elle ne peut pas être la littérature perfectible. Ça, c'est réservé à la philosophie et à l'éloquence. Madame de Staël attribue une mission aux écrivains. Ils ont un rôle à jouer dans la République, un rôle particulier, lequel? Alors, d'abord, ils doivent être inscrits dans la gloire, dans la reconnaissance des mérites. Il faut que le gouvernement républicain les reconnaisse en fonction de distinctions qui ne sont pas héréditaires. Il faut qu'ils encouragent les écrivains. Et c'est seulement à cette condition qu'ils vont devenir des modèles. Ils seront des modèles dans la mesure où ils souhaitent, bien sûr, participer de cet ordre républicain. Des modèles offerts à l'admiration. L'admiration, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est une émotion politique pour Germaine de Staël. Une émotion politique absolument indispensable à la République. Le peuple reconnaît par là ses écrivains comme il reconnaît ses gouvernants. Admirer, ce n'est pas être soumis.
C'est au contraire reconnaître le régime des vertus et du désir d'être utile dans une perspective relationnelle harmonieuse. Et puis ce désir, il s'implique dans une collaboration directe, à charge pour l'écrivain de collaborer à la formation de l'opinion publique. Ça, c'est la version, le versant proprement politique. Maintenant, ce que peut faire l'écrivain, c'est modifier les conditions même de la littérature, par exemple créer un nouveau comique. Dans la seconde partie du livre, Madame de Staël trace une sorte de bilan de la littérature en France depuis la Révolution. Et elle se montre sévère. Nous avons vu souvent, écrit-elle, dans le cours de ces 10 années, les hommes éclairés gouvernés par des ignorants. L'arrogance de leur ton, la vulgarité de leur forme, révoltaient plus encore que les bornes de leur esprit. La question que je vous pose, c'est que il n'y aurait-il pas pour elle une incompatibilité entre la littérature de haut rang, la grande littérature, et la démocratie? C'est une idée que développera plus tard Tocqueville dans sa Démocratie en Amérique, mais n'est-elle pas déjà là, dans ce livre? Si, tout à fait, elle est là, elle est d'autant plus là qu'en effet, il s'agit d'opposer le nouveau goût républicain qui est fondé sur la distinction. Pas la distinction héréditaire, pas la distinction monarchique, mais bien la distinction républicaine, celle qui est fondée sur le mérite et les facultés des hommes distingués, ce qu'on appellerait tout simplement l'intelligence. Et elle oppose à cette distinction républicaine qu'il s'agit de régénérer la vulgarité, c'est le néologisme qu'elle assume parfaitement comme tel dans de la littérature, la vulgarité des hommes de la démocratie révolutionnaire. Et elle est restée elle-même extrêmement choquée par la dégradation du langage, la brutalité des formes qui avilissent non seulement l'esprit public, mais ce qui, de cet esprit public, va pouvoir se réintroduire dans la littérature, un style politique dégradé, littérature elle-même corrompue et avilie. Une phrase de sa conclusion retient particulièrement l'attention. « Je ne puis, écrit-elle, séparer mes idées de mes sentiments. » N'est-ce pas là un aveu d'autocritique ou au contraire une revendication de méthode? Je dirais que c'est une revendication de méthode. Et peut-être même que méthode ne suffirait pas. Dans votre première question, vous me demandiez s'il y avait un goût prononcé de la théorie chez Germaine de Staël. Moi, je ne dirais pas un goût prononcé, et c'est une façon de vous répondre là maintenant. Je dirais que la théorie, c'est pour elle une espèce de réflexe de défense, un geste de nécessaire mise à distance des émotions. Mais la mise à distance des émotions, ce qui permet de retrouver le goût de généraliser les idées, comme elle dit, ne suppose pas la négation de ces émotions, mais leur réinvestissement dans l'abstraction des idées. Si on n'est que dans l'abstraction pure, alors on devient un penseur métaphysique. Mais si on parle théorie depuis ce sentiment mélancolique, qu'il est devenu difficile de vivre et que la seule manière d'assumer cette difficulté de vivre après les épreuves révolutionnaires, c'est de revenir à la théorie, alors il faut absolument y revenir. Il faut isoler les idées des circonstances. Est-ce qu'il y a une littérature nationale pour elle ? Elle a été sensible à la montée en force des nationalités. Et dans son livre qui traite de tous les espaces et de tous les temps, en somme, elle fait tout de même une part certaine à un sentiment national. Qu'en pensez-vous ? Bon, d'abord, il faudrait dire que dans le plan même du livre, qui lui-même relève de sa méthode, il y a un parcours dans des littératures qui relèvent d'espaces nationaux et qu'elle fonde à cet égard une première histoire littéraire des littératures nationales comme telles. C'est un des éléments du partage, il y en a d'autres, il y a l'élément temporel, mais il y a quand même ça. Donc il y a un espace italien, par exemple, il y a un espace allemand, il y a un espace anglais. Et il y a à ces espaces des caractères nationaux qui s'appliquent. Il y a un type anglais. Ce type anglais, il est construit par une longue culture de la liberté politique, mais aussi par la mélancolie du Nord. Donc de ce point de vue, en effet, il y a bien quelque chose de national dans l'expression de la littérature.
La question des nationalités n'est pas, je crois, directement l'objet du livre pour autant. C'est quelque chose qui apparaîtra beaucoup plus clairement lorsqu'elle va creuser la question allemande dans de l'Allemagne. Mais ce n'est pas le cas ici encore. Alors le livre paraît, enfin un livre qui paraît, pourrait-on dire, parce que les autres sont restés dans les tiroirs. Comment il est accueilli ? Alors d'abord il est puissamment accueilli. Je crois qu'on peut le dire, il s'inscrit dans un débat à multiples niveaux. Un débat sur son information, d'abord, où on vient critiquer ardemment ce qu'elle peut dire de l'origine des littératures du Nord et du Midi, où les hellénistes et les latinistes s'en donnent à cœur joie, où aussi il y a tout un débat sur la question d'Ossian, puisqu'elle fait de la famille d'Ossian le socle de la littérature du Nord, alors même que Ossian, ce fameux barde écossais du IVe siècle, relèverait plutôt d'une sorte de supercherie littéraire du Macpherson. Et puis, il y a à un autre niveau cette inscription du livre dans la querelle des anciens et des modernes, qui fait que ceux qui sont du côté des anciens ne s'y retrouvent pas. Mais ça implique aussi la question politique, parce qu'au sortir de la Révolution, bien sûr, d'autres que Germaine de Staël sont très intéressés à la question de savoir ce que doit être la littérature dans ses relations avec la société pour le monde nouveau. Si ce monde nouveau est un monde républicain, alors Germaine de Staël a raison. Si ce monde nouveau doit être le retour nécessaire à un ordre ancien, selon ce que Bonald ou Chateaubriand souhaiteraient, alors Madame de Staël a tort. Et donc elle est prise dans des débats extrêmement importants, notamment avec Chateaubriand, autour de la manière dont elle construit la question de la perfectibilité de la littérature pour le mieux républicain. Et comme il dira lui-même, Madame de Staël donne à la perfectibilité ce que moi, je donne au christianisme. Alors évidemment, c'est assez amusant, puisque Chateaubriand, lui-même, a été doublé au poteau. Il a publié Génie du christianisme un peu plus tard, il avait déjà ses hypothèses en tête, et il lui a fallu réagir sur le vif, avec un ressentiment certain. Pour finir, Florence, j'aimerais bien que vous me parliez de votre intérêt personnel pour ce livre. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Qu'est-ce qui fait que ça reste pour vous un grand ouvrage ? Quand j'ai découvert ce livre, ça date déjà d'il y a un certain temps, du début des années 90, d'abord une énorme surprise de découvrir une telle intelligence systématique s'appliquant à la littérature et aux objets politiques, de la part d'une femme dont je n'avais jamais entendu le nom, tout en ayant poursuivi des études par ailleurs de sciences sociales. Donc c'était assez remarquable. Donc ça a d'abord été ce choc-là. Et puis, les réponses que Germaine de Staël pouvait apporter à une certaine idée que l'on pouvait se faire dans ma génération de la politique, de la place de l'éducation, du rôle de l'État dans l'éducation, qui sont des questions qu'elle n'aborde pas directement parce qu'elle donne ce rôle-là aux écrivains et pas au système éducatif, pas premièrement en tout cas. Mais pour moi, ça a d'abord été le livre de la républicaine qui essaye de comprendre ce que sont les élites et quel mode de supériorité on est en droit d'accepter chez ces élites, à quelles conditions on accepte qu'il y ait des hommes et des femmes supérieurs. Pour moi, ça reste une grande question, et c'était déjà une question, comme étudiante, comme appartenant à une élite étudiante, puisque j'étais à Normale Sup à l'époque, et ça m'a beaucoup frappée parce que je me suis rendu compte qu'à cette question, il n'y avait aucune réponse simple, et qu'elle-même n'a jamais été aussi optimiste que le système lui-même qu'elle présente veut bien le dire à cet égard. Voilà pourquoi ça m'a touchée d'abord. Merci Florence Lauterie.